Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le webinaire organisé par la Chambre Agriculture. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Nous vous passons une diapo de fonctionnement en attendant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous propose de démarrer ce webinaire sur la crise influenza aviaire que nous vivons, qui est dramatique pour tout le monde de l'élevage avicole et palmipède. Beaucoup de questions nous sont arrivées déjà et j'ai pu les transmettre aux différents intervenants qui se succéderont. Donc nous aurons dans ce temps d'1 h 30, voire d'1 h 30 à 2 h, se succéderont Jean-Luc Guérin de l'école vétérinaire de Toulouse, Stéphane Guiguet et Hélène Ménard de la DDCSPP 32, Jean-Guillaume Barthès de la DDT 32, Marie Labor de Isabelle Henry et Michel Fruchet pour Sifog et Ervol. Madame Anouk Sinjori pour la Direct et Madame Justine de Saint-Germain pour la MSA. Voilà les intervenants qui sont prévus. Vous avez possibilité de nous faire des questions sur le chat que nous relayerons aux différents intervenants au fur et à mesure de l'intervention ou par la suite. Donc, je vous souhaite un bon webinaire sur lequel nous allons nous attacher à amener des réponses à toutes vos questions de manière factuelle et dans la connaissance des éléments d'aujourd'hui, en faisant bien sûr un historique sur ce qui s'est passé depuis un mois dans le Gers et depuis 2 mois dans le Grand Sud-Ouest. Et puis, nous referons sûrement d'autres webinaires au fur et à mesure que les réponses à toutes vos questions nous arriveront. Donc, je vous invite à démarrer, à vous concentrer. Merci d'accepter cette forme-là. Nous aurions bien sûr préféré le faire en réunion publique. Ça n'est pas possible à cause du Covid, mais nous essaierons malgré tout d'amener un maximum de réponses à vos questions sous cette forme. Je propose à Jean-Luc Guérin, donc vétérinaire à l'école de vétérinaire de Toulouse, spécialiste de l'influenza, de démarrer cette présentation sur la caractérisation de ce virus et la situation sanitaire de notre zone. Merci Bernard. Est-ce que vous voyez mon Très bien. écran? Attendez, je vais essayer de ne pas. Tac, tac. Voilà. OK. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais essayer de jouer le jeu de cet exercice qui est un peu particulier, hein.
puisque effectivement, il faut travailler dans un temps très contraint et en plus évoquer des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul. Et donc, je vais essayer de partager des informations de la manière la plus factuelle possible, et puis en essayant de répondre à un certain nombre de questions qui sont déjà arrivées, avec les éléments dont je dispose. Donc, il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas, et s'il y a des choses que l'on ne sait pas, je le dirai très franchement, et j'essaierai d'expliquer à la fin quelles sont les perspectives que nous avons dans les semaines et les mois qui viennent pour y voir plus clair et donner aux professionnels et aux services de l'État les éléments pour faire en sorte que la crise soit résolue et que surtout, on ne puisse plus la revivre. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut aussi revenir un tout petit peu à l'historique de ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans. Je rappelle à tout le monde qu'on a eu 2 crises successives les années précédentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une qui a eu lieu en 2015-2016 avec sans doute une circulation du virus qui a été quelque part générée sur notre propre territoire à partir de faiblement pathogènes et qui a diffusé à bas bruit. Et qui a été traité en 2016. Et puis un phénomène qui n'a rien à voir, qui nous a d'ailleurs tous surpris à l'époque déjà, qui était l'arrivée sur le territoire de virus complètement différents, qui sont de lointains descendants des virus H5N1 asiatiques, émergés à la fin des années 90, et qui s'appellent les virus H5N8, et que dans notre jargon, nous appelons les virus de clade 2, 3, 4, 4. Et donc, on a eu, eh bien, tout le monde s'en souvient, un épisode qui a concerné à l'époque largement l'ensemble de l'Europe, mais surtout le bassin Grand Sud-Ouest et des zones en Europe centrale où, à chaque fois, on retrouvait des élevages de palmipèdes. Donc, déjà, on s'était rendu compte qu'on avait affaire à un virus extrêmement pathogène et avec une affinité forte pour les palmipèdes, plus que pour les volailles maigres. Et ce virus-là, on sait maintenant depuis des années qu'il a sa propre écologie dans les voies migratoires avec des bassins de multiplication du virus. Et il suit en fait les populations aviaires dans leur zone de reproduction, dans leur zone de migration. Et donc c'est vraiment une circulation intercontinentale de virus qui, certaines années, vont se produire et certaines années vont de manière quasiment inexplicable, ne pas se produire. Et donc, effectivement, depuis 2017, on a bien documenté ces grandes voies de migration. Et en rouge, on a le virus H5N8 qui, vous voyez, circule chaque année sur des grands couloirs de migration. Et donc, on suit année après année l'évolution et l'ampleur de la multiplication de ces virus. Et de fait, on a su assez tôt, finalement, cet été, qu'il y avait quelque chose qui se passait cette année avec des événements en Russie. Des événements au Kazakhstan. Et c'est ça qui a amené tout le monde à remonter les niveaux de risque progressivement, de négligeable à modéré, puis à élevé en novembre, parce que, on s'était bien rendu compte qu'à l'échelle de l'ensemble de l'Europe occidentale, on avait plus de mortalité d'oiseaux associée à ce virus que les années précédentes. Alors, juste pour illustrer ça, je pense que cette diapo montre bien les choses. En beige, enfin en gris clair, vous avez ici, à l'échelle de l'Europe, l'ensemble des foyers qui ont été décrits. Et donc, en beige, là, vous avez les foyers qui correspondent à l'épisode aussi de 2016-2017. Et puis ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu quasiment rien en termes d'événements à l'échelle de l'ensemble de l'Europe en termes de foyers. Quasiment rien. Et le nouvel événement qui s'est arrêté ici, hein, ce sont des données qui ont été arrêtées en semaine 49 de 2020, mais vous imaginez bien ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis, hein. On a une explosion de cas à l'échelle de l'ensemble de l'Europe liée à nouveau à ce virus. Donc on a des phénomènes comme ça de vagues épisodiques dont on n'arrive pas à expliquer la cause, hein, mais qui font que certaines années, on va avoir une exposition forte et d'autres années, pas du tout. Et aujourd'hui, à l'échelle de l'Europe, alors ce diaporama est un petit peu chargé. Les ronds bleus, ce sont les foyers H5N8 dans les élevages. Et les carrés qui sont en rouge-marron, ce sont les foyers H5N8 chez les oiseaux sauvages. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on a affaire cette année à une exposition particulièrement élevée, très très élevée sur les oiseaux sauvages, et aussi
sur les fermes et qui pose à tous nos collègues européens des questions importantes, qui sont à peu près des questions similaires à celles que nous nous posons nous-mêmes sur les propriétés de ce virus et sur la capacité que l'on a à le contrôler. Mais je pense qu'il est important de voir qu'on n'est pas seul et qu'on a véritablement cet événement à l'échelle globale de l'Europe. Alors, si je fais un focus, je vais pas rentrer dans les détails ici, puisque j'imagine que les collègues de la DDPP du GERS l'expliqueront plus en détail. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a eu quelques introductions, à la fois dans le Grand Ouest et dans le Grand Sud-Ouest. Et ce qui est tout à fait important à noter, c'est que dans certains cas, on a des foyers index qui s'éteignent quasiment tout de suite ou avec simplement un foyer secondaire, par exemple en Vendée. Et puis, dans le sud-ouest, on a à nouveau une flambée, c'est-à-dire une incapacité à empêcher que le foyer index ou les foyers index donnent lieu à des foyers secondaires et puis progressivement, de manière quasiment exponentielle, à un véritable incendie sur le territoire. Et c'est ça le véritable problème. Nous savions d'emblée qu'il était quasiment impossible d'empêcher qu'il y ait un, deux, trois foyers index au regard de ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Mais ce qui nous pose question, évidemment, à tout le monde, c'est l'incapacité que nous avons à empêcher cette flambée épidémique à partir de ces introductions dans la filière. Et donc, on a effectivement aujourd'hui cette grande zone qui est réglementée et qui reste instable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, nous avons encore à date des introductions. Il ne figure pas ici le foyer de Puy-d'Arrieux qui pose énormément qui nous pose problème, hein, évidemment, très clairement aujourd'hui. Nous avons d'autres petits foyers qui continuent à allumer. Nous retrouvons encore des oiseaux sauvages trouvés morts à l'échelle de l'ensemble de la France et de l'Europe, ce qui montre que l'exposition par la faune sauvage reste d'actualité. Donc nous sommes encore aujourd'hui dans une situation qui est particulièrement instable et difficile. Alors, moi, je ne vais pas à ce stade pouvoir donner des éléments très précis, évidemment, sur comment le virus circule, etc. Je vais simplement expliquer quelles sont les différentes hypothèses sur lesquelles nous travaillons. En fait, ce que l'on sait, et sur quoi il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a des foyers index qui sont liés à l'exposition par la vie sauvage. Alors, ça peut être un contact direct par des oiseaux migrateurs vers les parcours de canards. Ça peut être un contact indirect par la faune locale qui prend le relais des oiseaux migrateurs et qui contamine les animaux sur les parcours. Ça peut être aussi, et on le voit, dans des élevages qui sont en claustration, simplement le fait que la contamination de l'environnement par de la matière fécale contaminée fait que la moindre faille de biosécurité classique, par le franchissement des sas, par l'entrée de la paille, peut faire entrer le virus dans les bâtiments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les foyers index. Et le premier objectif pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible pour qu'on puisse les gérer. Ensuite, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour empêcher la diffusion de proximité. Or, nous savions déjà, dans l'épisode précédent, que cette diffusion de proximité à quelques centaines de mètres ou quelques petits kilomètres était possible. Ce que je dois dire, c'est que nous avons été surpris par la facilité avec laquelle, et je dirais les grandes propriétés de contagiosité que nous avons observées manifestement par des voies comme ça de proximité. Alors, est-ce que ce sont des aérosols au sens strict? Est-ce que ce sont des poussières qui sont transportées par n'importe quel vecteur et de manière, je dirais, extrêmement insidieuse? Il est encore trop tôt pour le déterminer. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui jouent et beaucoup de voies qui se confondent dans cette diffusion dite de proximité. Et puis ensuite, il y a une autre modalité, évidemment, ce sont les transports d'animaux. Et on sait en 2016-2017 qu'ils ont joué un rôle et toute une série de mesures ont été prises. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a quelques contre-exemples, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les transports d'animaux aient joué un rôle très significatif dans la diffusion du virus. On n'est pas dans la situation de 2016-2017. Ce qui nous surprend encore une fois, c'est cette grande capacité qu'il y a dans la diffusion de proximité. Et c'est ça que nous essayons de documenter et nous avons constaté, moi premier,
que nous avons des animaux, des élevages qui génèrent des quantités phénoménales de virus, et ce, très très tôt dans l'infection. Et c'est ça, c'est aussi un autre paramètre qui nous pose problème, c'est que quand les éleveurs voient des animaux malades, ça fait déjà plusieurs jours que ces animaux sont infectieux et contaminants. Donc, ça veut dire que, sans le savoir, les animaux généraient déjà des quantités de virus et étaient susceptibles de le diffuser par tous les moyens. Quand je dis tous les moyens, c'est que quand on regarde vraiment les voies de diffusion possibles, eh bien, vous voyez ici, ce n'est pas exhaustif, mais ça montre le challenge, ça montre la très grande difficulté que nous avons à tout maîtriser. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une voie prépondérante par rapport à d'autres. Pour avoir analysé toute une série de foyers, je pense qu'on a plein de configurations différentes qui se superposent. Plein de configurations différentes. Et que ce soit les mouvements de personnes, que ce soit les mouvements de matériel, que ce soit des nuisibles de toutes sortes qui véhiculent de la poussière, etc., etc. Cette diapo avait simplement pour objectif de montrer à quel point, quand on va dans le détail, on mesure la difficulté qu'il y a à tout maîtriser. Juste pour dire qu'en 2016-2017, on avait déjà travaillé sur les vitesses de propagation. Et on s'était rendu compte qu'effectivement, le virus était capable de se propager à plusieurs kilomètres par semaine. Je pense que cette fois-ci, on était encore au-delà. Alors, ça nous pose des questions et nous allons, dans les semaines qui viennent, travailler sur les propriétés du virus pour voir s'il a un peu plus d'affinité que la version de 2016-2017 pour le canard, ce qui pourrait expliquer sa plus grande propagation. Un petit peu en faisant un parallèle un peu osé sur les variants Covid dont on sait qu'ils ont un peu plus de contagiosité. C'est simplement qu'ils ont, si vous voulez, plus de facilité pour rentrer dans les cellules de l'hôte et donc il en faut une quantité encore plus faible pour infecter. On avait travaillé aussi sur la diffusion à longue échelle. Vous vous souvenez qu'il y avait toute une série de polémiques et de questions sur la diffusion notamment à l'occasion de tempêtes. Et ce que nous avions montré à l'époque, c'est qu'on n'avait pas été capable du tout de faire le lien entre les mouvements d'air, tels qu'ils avaient été modélisés par Météo France, et la propagation de l'épizootie. Pas du tout. Ça n'allait pas du tout dans le même sens. Et donc, ces notions-là, elles sont controversées. Moi, je dirais aujourd'hui que ce qu'on sait, c'est que la diffusion d'aérosols en proximité, elle est très, très probable. À plus grande échelle, elle est beaucoup plus discutable. Alors, quelles sont les grandes voies de maîtrise quand on sait ça aujourd'hui? Bien, en fait, il y a des grands principes. Les grands principes, c'est que pour restreindre la probabilité de contamination par la faune sauvage, c'est bien restreindre parce qu'on est le risque zéro est impossible à atteindre. Et ça, il faut que collectivement, on l'assume. C'est de restreindre l'interface entre les compartiments domestiques et le compartiment sauvage. Donc, ça passe par toutes les mesures qui ont été préconisées et qui ont été appliquées sauf dérogation, c'est-à-dire la capacité à mettre les animaux à l'abri. Il y a clairement aussi des notions de densité, quel que soit le mode de logement, il faudra qu'on travaille et qu'on regarde de manière tout à fait objective pour voir si on a des facteurs de densité qui posent problème et qui doivent être régulés pendant la période critique. Ensuite, il y a la notion de diffusion de proximité. Alors, il est clair qu'on ne peut pas empêcher les animaux de respirer. Même quand ils sont à l'abri, ils respirent. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre, il y a de l'air qui sort. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Et là, c'est vraiment l'application des mesures de biosécurité de base qui est extrêmement intéressante. Alors, l'autre option, c'est évidemment, et je vais y revenir, de vacciner. On peut tout à fait imaginer de faire en sorte que les animaux ne soient plus sensibles et que par conséquent, ils soient protégés contre cette diffusion. Et puis, il y a le travail autour des transports qui a déjà été, je l'ai dit, très, très avancé avec des notions à la fois de zoning, c'est-à-dire de restriction des distances de dispersion des animaux, et puis tout le travail sur la biosécurité des transports, des cages, des camions, et puis surtout la détection, la surveillance. Donc il y a un travail important qui a été fait sur la surveillance. Il y a sans doute des choses qu'il faut encore améliorer, mais voilà les grandes voies, si vous voulez, qui mises chacune individuellement, va avoir du mal à contrôler le problème, mais qui, mises bout à bout ensemble, peuvent apporter des éléments de solution. Or, derrière ça, il y a une vraie question que tout le monde se pose, qu'on se pose, qui concerne quelle place pourrait prendre la vaccination dans la maîtrise sur la base de ce que l'on sait aujourd'hui. Alors, premier élément, il faut d'abord qu'on analyse plus finement, notamment les propriétés du virus, pour savoir si on a affaire
un virus qui nous pose plus de problèmes que les précédents et qui est quelque part un dépassement de ce que l'on peut faire. Je dois ici dire, rappeler quand même un certain nombre de principes. D'abord, si on ne vaccine pas aujourd'hui, ça n'est pas simplement par désintérêt. Ça n'est certainement pas par négligence des acteurs. Si on ne vaccine pas aujourd'hui, c'est que la vaccination influenza est extrêmement difficile à maîtriser. C'est un outil extrêmement compliqué et pas simplement pour défendre des intérêts de grands groupes. C'est simplement qu'on sait qu'il y a un risque non négligeable que si la vaccination n'est pas totalement efficace, elle laisse circuler de manière silencieuse du virus dans les élevages. Et un virus influenza qu'on laisse circuler pendant des mois et des années, ça n'est tout simplement pas acceptable. C'est un peu à cause de ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, puisque des pratiques de vaccination mal maîtrisées ont été mises en œuvre pendant des années dans certains pays d'Asie du Sud-Est, avec le résultat que l'on sait, c'est-à-dire une circulation et une évolution du virus. Donc aujourd'hui, la seule option que nous pourrions défendre à l'échelle de l'Europe sur ce dossier-là, ce serait une option avec un vaccin efficace qui permet de protéger contre l'infection, mais aussi, pardon, contre la maladie, mais aussi contre l'infection, c'est-à-dire qui bloque le virus pour empêcher qu'il circule de manière silencieuse. Et puis une surveillance extrêmement resserrée des lots vaccinés pour faire en sorte qu'on soit sûr qu'il ne laisse pas circuler du virus. C'est-à-dire que concrètement, tous les lots vaccinés devraient être tracés, puisqu'évidemment, il y aurait des restrictions à l'export, et devraient être testés, tous. Là, je pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Aujourd'hui, y a-t-il un vaccin efficace contre la H5N8 chez le canard? Réponse, non. Il y a un vaccin expérimental qui a été testé par un laboratoire français, par le laboratoire Ceva, avec d'excellents résultats expérimentaux. Mais ce vaccin n'est pas industrialisable pour des raisons pratiques de fabrication. Donc il faut que le laboratoire refasse des lots semences, ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, j'entends dire qu'on vaccine les os. Oui, on les vaccine avec un vieux vaccin, qui est une vieille souche H1N1, qui n'est absolument pas efficace contre la H1N8. Je vous laisse en tirer les conclusions sur la pertinence de cette vaccination, mais cette vaccination n'est pas acceptable dans un contexte d'élevage. Donc aujourd'hui, la réflexion, elle s'oriente effectivement d'abord pour aller vers des stocks de vaccins qui seraient potentiellement disponibles, et derrière, sur quelle place on pourrait donner à la vaccination dans une stratégie globale de biosécurité. Parce qu'il n'est pas question d'imaginer que la vaccination remplace tout ce que je viens d'évoquer. Ça ne pourrait être imaginé que comme un outil complémentaire si nous faisions collectivement le bilan que, mis bout à bout, les mesures de protection que je viens de présenter sont insuffisantes pour sécuriser la filière et pour donner confiance aux producteurs. Mais je dois dire ici à tout le monde qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a une solution miracle. Parce que s'il s'agissait d'une solution miracle, on la pratiquerait déjà. Alors derrière ça, il y a aussi une autre notion que je veux introduire, c'est cette notion territoriale du risque. Je pense qu'on voit sur certains territoires, pas tellement dans le Gers d'ailleurs, mais clairement dans la Chagos, des questions d'ordre territorial. C'est-à-dire que chaque éleveur, par exemple, est totalement dans son bon droit quand il met en place des animaux, éventuellement, même s'il n'est pas capable de les mettre à l'abri. Et chaque éleveur est parfaitement dans son droit. Et il n'est absolument pas répréhensible. Ce n'est pas la question. Par contre, quand on met bout à bout, à l'échelle d'un territoire, d'une commune, l'ensemble des élevages, des populations de volailles, on se rend compte que là, on a un problème. Et donc, je pense que ce sur quoi il va falloir essayer d'aller, indépendamment de ce que je viens d'évoquer sur les autres mesures, c'est à essayer de travailler à l'échelle de territoire pour faire en sorte que lorsqu'on est face à l'introduction par ce virus, de ce virus, pardon, on soit quand même en capacité à le gérer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Je suis très contraint par le temps, j'en suis désolé, j'ai peut-être même un petit peu débordé. Mais voilà les éléments que voulais vous livrer et je suis ouvert à toute question. Merci, merci Jean-Luc Guérin de ces précisions. On comprend mieux maintenant ce qui est arrivé par le passé et la différence de cet événement. Je propose que nous enchaînions avec Stéphane Guiguet et Hélène Ménard, donc pour la direction départementale de la cohésion sociale
et la protection des populations du Gers, Stéphane Guillet, directeur, de manière à avoir une vision plus précise maintenant sur ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le département. Il y a un certain nombre déjà de réponses à vos questions sanitaires qui sont nombreuses. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? Donc, Stéphane Guillet. Oui, bonjour à tous. Merci de votre attention. J'ai un diaporama à vous présenter. Il faudrait me donner. Voilà, merci. Voilà, vous allez pouvoir le voir. Alors, j'ai choisi effectivement de vous faire. Non, pardon, c'est une fausse manip, forcément. Présentation. Alors, donc j'ai choisi pour que ça soit plus visuel de vous faire un certain nombre de présentations par diapo sur l'évolution de la situation dans le Gers. Alors, premier foyer le 4 janvier, situation une semaine après, on va retrouver sur la zone du premier foyer la zone marron qui correspond à la zone de surveillance des 3 km. Les différents foyers. Une semaine après, on en était à 6. Qu'on peut constater, c'est que le point de démarrage à cette époque-là était déconnecté territorialement des Landes, ce qui fait plutôt penser à une contamination spot faune sauvage qui, au démarrage, a diffusé sur cette zone-là. Donc, on retrouve en marron donc la zone de proximité. En rouge, ici, la zone de surveillance des 10 km. Et déjà, sur cette période du 10 janvier, une forte accélération de la circulation de la maladie, avec en rose les zones de contrôle temporaire, qui vont avoir du coup tendance à étendre la zone vers le nord-est, vers les Landes et vers le sud-ouest. Alors, ça, c'est pas là. Situation 5 jours après, on va se retrouver avec 13 foyers confirmés, 6 suspicions. Alors les foyers donc confirmés, c'est les petits points noirs si vous arrivez à les voir. Les suspicions, c'est les points bleus. Alors sur cette situation à mi-mois de janvier, on va avoir une extension toujours sur le nord-est. Hein, sur Condom, donc avec le foyer sur la suspicion sur La Roque-sur-Losse. On va avoir ici Sorbets qui, effectivement, va étendre les zones de protection vers le sud. Et après, une confirmation de la circulation sur Manciette, la circulation sur cette zone nord-ouest, et puis une fusion progressive qu'on va retrouver par la suite avec la zone des Landes. Donc, on aura des phénomènes de proximité, des phénomènes de lien épidémiologique et aussi de proximité, de fusion de part et d'autre de la zone entre les Landes et le Gers. Alors, je vais revenir sur la diapo précédente, si je peux, non. Alors, je reviens, voilà. Juste. Pour ne pas omettre le 15 janvier, donc c'est la prise du principe de la zone de surveillance élargie. Donc pour bloquer cette avancée vers l'est du département, le principe, comme dans les autres départements, a été d'étendre à 20 km les zones de surveillance pour, dans ces zones-là, limiter les mouvements et donc limiter la circulation du virus. Donc là, vous avez en gros la zone telle qu'elle a été définie. Ça, c'est la première mesure forte pour changer de système de contrôle de maladie, pour mettre un frein le plus important possible à la diffusion sur le département. Et le deuxième, c'est la diapo, voilà. Le deuxième, on va retrouver le principe de définir dans un rayon de 5 km pour les canards et de 1 km pour les volailles maigres, des communes
où le dépeuplement préventif va être ordonné par les services de l'État et mis en place par l'interprofession. Donc, vous retrouvez sur cette carte-là, en bleu clair, les communes concernées à date, avec en bilan pour la journée d'aujourd'hui, un nombre d'exploitations donc dépeuplées de 75, essentiellement des canards, donc ce qui s'explique par le rayon et par l'urgence au vu de la diffusion dans les élevages de canards de commencer par eux. Les élevages de volailles qui sont en cours de dépeuplement, donc là 67 canards, on a fini. Et les volailles, on est à plus de la moitié de volailles dépeuplées dans le rayon de 1 km. Et vous retrouvez ici le nombre d'animaux dépeuplés sur ces deux filières à date d'aujourd'hui. À savoir que sur ces dépeuplements préventifs, il y a une analyse systématique de recherche de l'influenza aviaire qui est faite. On a des résultats très partiels. Pour l'instant, on a sur les 75 élevages, on n'a que 20 analyses dont on a le résultat. Malgré tout, on a déjà détecté que sur ces dépeuplements préventifs, donc sans symptômes des cheptels, on a retrouvé donc deux foyers qui étaient en émergence sur Montguillem, sur Moléon d'Armagnac, sur Tarsac et sur Saint-Griette. Ça, c'est les deux derniers résultats, donc ici. Ces deux derniers résultats qui sont tombés hier soir vont avoir comme conséquence d'élargir la zone de protection et la zone de surveillance et la zone de dépeuplement préventif. Donc, Montguyenne, Montléon d'Armagnac, on est plutôt sur la façade ouest, Tarsac, Saint-Griède, on est plutôt sur une consolidation ici de la maladie en termes de diffusion. Alors, c'est pratiquement la même carte que celle du professeur Guérin, à ceci près que vous avez une bonne vision de ce qu'est cette fameuse zone de surveillance élargie, qui a vraiment pour objectif de bloquer dans cette zone les mouvements des animaux pour bloquer la circulation du virus. Les petits points orange sont malheureusement les foyers d'influenza aviaire. Les petits points gris que vous devez mal voir, et que j'essaie de vous montrer, sont des suspicions, donc ici, 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 avec ici ce qui a été évoqué par le professeur Guérin, donc le foyer à Puy-Darieux, alors qui pour nous est extrêmement inquiétant par rapport à la proximité avec l'Astarac ici, une forte densité d'élevage, et aussi cette suspicion clinique au nord des Landes qui montre que même avec une zone de surveillance élargie, on a encore des entrées de virus dans les élevages sur le nord des Landes. Alors, la situation au 28, donc on retrouve nos deux suspicions Tarsac et Saint-Griède, donc Tarsac là, Saint-Griède là. Donc, plutôt c'est la consolidation, telle que je vous le disais, de la présence du virus sur cette zone-là. Sachant qu'on a ici pour Orensan et ici, même si c'est en noir, eu énormément de foyers ces derniers temps. Alors, Ségos, ce qui est important de signaler, c'est que du fait de la présence des premiers foyers, Ségos n'était pas en commune en dépeuplement, donc elle était juste à la limite, et sur cette commune qui n'était pas en dépeuplement, on a donc eu un nombre très important de foyers qui sont apparus dans un délai très court. Hein, on a eu 4 foyers en 3 jours de temps. Donc ça, c'est un point important sur l'effet que va avoir le dépeuplement et l'effet que n'aura pas sur cette zone-là le dépeuplement et du coup l'apparition de foyers cliniques d'influenza aviaire. Après, on retrouve donc la circulation effectivement sur la partie nord-ouest qui est plutôt rassurante puisque nous, notre front à protéger, c'est bien la partie est pour protéger
notamment la Starac et tout l'est du département. Alors, à signaler que dans les cas qui peuvent sortir, je pense à Orensan ou à Ségos, du fait de la moindre présence d'élevage de canards, par contre, on ressort des foyers volailles. Donc, ça, c'est un point important. Sur l'ensemble des 34 foyers, donc au 28, on en avait donc 29 canards, 5 volailles. On verra la cinétique sur la diapo suivante. Corneillan, c'était un élevage qui n'avait pas été dépeuplé parce qu'il était programmé mais non exécuté. Et du coup, Corneillan, bien qu'en zone de dépeuplement, le fait que l'élevage de volailles soit présent a fait a causé l'apparition de la grippe aviaire sur cet élevage. Donc, un principe de dépeuplement qui, pour moi, apparaît tout à fait pertinent, puisque on note que les communes, c'était la diapo d'après, que les communes qui étaient en dehors ou les élevages qui n'ont pas été dépeuplés immédiatement ont été le lieu d'apparition de l'influenza aviaire en termes de foyer clinique avec excrétion du virus. Alors, sur les suspicions, sans aller dans le détail, donc on a le premier cas le 4 janvier, on a la forte montée exponentielle jusqu'au 11 janvier. Après, bon, des chiffres qu'il faut consolider de jour en jour, mais globalement, on a eu après une maîtrise de la maladie qui a correspondu à la mise en place très rapide dans le département du dépeuplement préventif. Sur la dernière partie, donc vous avez en rouge, c'est les canards. Et comme je vous l'ai dit, sur les zones à dépeuplement préventif, où les volailles ont été dépeuplées plus tardivement, du coup, on voit apparaître de façon significative des élevages de pondeuses, des élevages de chair ou des élevages de caille. Alors, sur la fin ici, c'est un élevage de chair et pour qu'il n'y ait pas de confusion, la partie canard, c'est des résultats d'analyse sur le dépeuplement. Donc, on retrouve les trois et les deux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des événements qui sont enregistrés à date, mais qui correspondent en fait à l'exploitation des résultats d'analyse du dépeuplement préventif. Alors, sur la question qui bien évidemment taraude tout le monde, c'est quand c'est qu'on se sort de cette influenza aviaire et qu'on peut se dire qu'on en est débarrassé. Alors, sur les principes, pour pouvoir lever les zones, il faut qu'on soit bien en absence de circulation du virus. Le professeur Guérin l'a dit, il y a une forte contamination des élevages foyers et donc il est très important qu'au moment où on passe sur cette phase de lever des zones, on ne soit pas en train de remettre en suspension du virus. Je pense notamment dans la gestion du fumier contaminé, du lisier. Donc, Hélène Ménard le précisera. Donc, il y a une bonne temporalité. Ce n'est pas la peine de faire passer des vétérinaires dans une zone où le virus circule activement et où la situation n'est pas stabilisée. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre en bonne chronologie l'action, hein, éviter qu'une action trop rapide favorise la dissémination du virus. Par contre, d'un autre côté, il faut qu'on soit en capacité de ne pas perdre de temps. Ça, c'est notre responsabilité. Au moment où on pourra, avec la stabilisation de la circulation des virus, passer sur les levées de zone pour pouvoir reprendre une activité économique. Alors, sur les principes, donc les zones de protection de 3 km, ne peuvent être levées
ou plutôt 21 jours après nettoyage des infections des derniers foyers de la zone. 21 jours, ça correspond à le délai maximum d'incubation et donc potentiellement après le dernier foyer, c'est le délai qui nous permet d'espérer qu'on n'est pas en train d'être en période d'incubation dans un élevage qui va s'exprimer par la clinique et du coup un redépart d'excrétion de virus qui serait d'autant plus catastrophique qu'on aurait remis des animaux. Alors cette levée de zone de protection, nous avons fait toutes les investigations nécessaires pour qu'elle soit levée autour du foyer maintenant consolidé de l'abattue rivière dans le 65, sachant que donc, tous les éléments ont été transmis au ministère et qu'il faut l'avis conforme du ministère pour lever cette zone de protection. Quand cette zone de protection est levée, elle passe en zone de surveillance. Donc là, les contraintes sont moindres et le délai est de 30 jours, donc 8 jours, 9 jours de plus par rapport au précédent changement de statut de zone. Donc, 30 jours après la fin des opérations de désinfection du dernier foyer. Alors, pour la zone de protection, vous l'avez sur la diapo, il faut une visite systématique de l'ensemble des élevages. Sur la zone de surveillance, il va falloir un contrôle visuel bactériologique pour l'ensemble des foyers par rapport à l'efficacité des opérations de nettoyage des infections et un programme de surveillance pour s'assurer que entre le passage zone de protection, passage de zone de surveillance, on n'est pas encore en circulation à bas bruit du virus influenza aviaire. Alors pour tout vous dire, hier soir, il y avait une réunion avec les têtes de réseau professionnels et le ministère de l'Agriculture. Et la chronologie qui permettrait de dire à telle date, on va pouvoir lever les zones et faire une remise en place de l'ensemble des productions. Pour l'instant, cette date ne peut pas être programmée puisqu'on est encore sur de la circulation active de virus. On l'a vu avec les Landes, avec le Gers, on a encore, avec les Hautes-Pyrénées. Et le 64. Donc, pour l'instant, le principe de fixer une date qui permettrait à tout le monde de programmer ses remises en place, pour l'instant, n'est pas la situation sanitaire ne permet pas de la caler. Alors, la dernière diapo, c'est ce qui me paraît assez important sur les foyers de préciser les opérations de nettoyage des infections. Sachant que sur l'aspect indemnisation qui sera développé par la DDT, sur la partie perte économique, la DDCSPP, elle sera le guichet unique pour l'indemnisation des foyers, donc avec une première partie sur la versement d'acompte de 75% en filière gras et de 50% en filière maigre, dont notre objectif, c'est qu'il soit traité dans un délai d'un mois, sachant qu'on a réussi sur les premiers foyers à traiter les indemnisations dans un délai de 15 jours. On traitera aussi les indemnisations sur les abattages préventifs, qui est versé dans le délai de 15 jours, un mois que je vous indiquais, c'est bien l'acompte sur la valeur économique des animaux, auquel s'ajoutera pour les foyers tous les coûts générés par le nettoyage des infections. Et donc, si Madame Ménard peut reprendre cette partie-là et vous commenter de façon extrêmement précise, parce que ça, c'est capital pour que vous en ayez la bonne visibilité, la dernière diapo sur le nettoyage des infections. Vous m'entendez? Oui. Ah, parfait. Alors, oui, sur le protocole de nettoyage des infections. Alors, pour les foyers et pour les dépeuplements qui se seraient avérés foyers après analyse positive, de toute manière, c'est le même lot. Donc, en fait, ça n'a rien d'étranger au protocole qui était déjà utilisé alors fin 2017, début
pour la dernière crise. Sachant que actuellement, comme disait Monsieur Guiguet, comme on n'a pas tellement d'idées sur, sur entre guillemets la situation générale, on est plutôt parti sur le fait de traiter en premier des bâtiments de gavage pour le nettoyage et la désinfection, puisqu'ils ont la capacité à confiner le virus dans le bâtiment, hein, en fait, et d'éviter pour le moment de traiter les bâtiments d'élevage avec du fumier, parce que fatalement, la sortie de fumier, elle va avoir tendance à brasser du virus, enfin, à remettre en suspension. Ça, c'est aussi un ordre de priorité qui permet de centraliser les nettoyeurs d'abord sur les bâtiments de gavage et d'optimiser un petit peu, parce que pour rien vous cacher, vu le nombre de foyers et vu les durées de nettoyage, il y a un moment où en fait c'est l'entreprise professionnelle qui va être le facteur bloquant. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit un peu pousser les éleveurs qui s'en sentent capables ou qui en tout cas ont des bonnes normes de nettoyage des infections, savent bien nettoyer, à faire le nettoyage des infections 1 par leurs propres moyens, puisque la note est encore assez claire. Sur le nettoyage des infections 1, on peut le faire par l'exploitant lui-même, donc il sera pris en charge au nombre de mètres carrés plus les produits. Par contre, sur le ND2, il faudra forcément faire appel à un prestataire extérieur. Maintenant, on aura aussi la discussion avec les gens, les éleveurs chez qui on va pour faire les abattages et dont on sent que ils vont pas forcément être en capacité de faire un ND1 propre, efficace, rapidement. On les orientera plutôt vers un professionnel pour éviter de les laisser en détresse tout seul et que ça n'avance pas. Voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de, entre guillemets, de capacité à nettoyer, désinfecter selon les standards que nous avons de fixer pour décontaminer un foyer. Donc ça, faut en être un petit peu, comment dire? Il faut être transparent là-dessus. Il y a des gens, c'est très encombré chez eux, donc on a des discussions de fond qui sont au-delà du foyer influenza aviaire. Donc, on a quand même un ND0. Alors, le ND0, pour être très clair, c'est en fait le jour de l'abattage. On pulvérise du désinfectant pour rabattre les poussières. Ça n'est absolument pas une opération lourde. C'est une opération de purge d'ambiance. Ensuite, on a le ND1. Donc, le ND1, normalement, c'est un nettoyage détergence, je précise, plus une désinfection. Donc, c'est ce qui est le plus long, puisque c'est là, littéralement, où vous faites le ménage, où vous devez sortir tout ce qui n'est pas nettoyable, désinfectable, bien nettoyer les fosses, notamment tous les endroits où il y a eu des projections d'excréments, donc à hauteur de mur, etc., les plafonds, extraire tout ce qui n'est pas nettoyable, désinfectable pour destruction et compagnie. Donc, c'est ce qui est le plus long. Et après, vous avez la désinfection. Nous viendrons systématiquement, et je précise bien, contrôler que le ND1 a été fait proprement pour éviter que des ND2 soient faits sur des zones sales, puisque ça ne sert à rien. Redésinfecter sur quelque chose qui n'est pas propre, c'est juste gâcher de l'argent et du temps d'entreprise de nettoyage pour rien du tout. Donc, on passera toujours. Et on sera particulièrement vigilant sur le fait que l'entreprise ait rempli ses obligations. Ça, c'est une chose. Par la suite, on lance le ND2. Et ce ND2, normalement, si le protocole n'a pas changé, et pour l'instant, on est plutôt parti là-dessus, on aura un contrôle par boîte que certains peuvent connaître, qui en fait n'évalue pas la présence ou l'absence de virus, mais évaluera le niveau de nettoyage. En fait, on quantifie les germes type fécaux, etc., pour vérifier que c'est propre. Et après ce ND2, on attend encore 21 jours. Vu la disponibilité des entreprises de nettoyage, c'est sûrement ces délais de nettoyage qui vont poser le facteur limitant au fait de pouvoir lever les zones, lever les foyers. On a le problème à côté du facteur limitant, lié au fumier. Pour les fumiers, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à être sortis, ils commencent à se purger, donc 42 jours moyennant l'ajout de chaud, etc. Toujours sur le même protocole, chaud au-dessus, chaud en dessous. S'il reste de l'aliment dans les trémies, on les met bien en dessous pour que ça soit protégé par le fumier chaulé au-dessus et qu'on n'ait pas toute la faune sauvage qui vienne se ravitailler dans le tas de fumier contaminé. Voilà. Ça, normalement, on arrive à gérer. Par contre, sur les lisiers, les 60 jours, je sais que ça a été une question de plusieurs éleveurs à se dire… comment on allait pouvoir épandre, etc., ceux qui avaient des fosses pleines et compagnie. Ils sont censés normalement pouvoir stocker, je le rappelle, d'avoir des durées minimum de stockage sur les lisiers. Ils doivent pouvoir nettoyer et on compte bien 60 jours à compter
du moment où les animaux sont décédés, ont été extraits du bâtiment, donc soit abattage, soit des enfin, voilà. Et on compte bien les 60 jours. Il n'est pas possible de purger totalement ou partiellement la fosse avant ces 60 jours, sauf à extraire les lisiers pour une unité de méthanisation qui va traiter thermiquement. Alors, il n'y en a pas des millions sur le secteur. Ou à mettre dans une fosse d'appoint qui est elle-même sur l'exploitation pour que ça ne force pas, ça ne sorte pas de l'exploitation. Ou à mettre dans une taux d'alizier qui est stockée sur place en attendant. Là-dessus, si les fosses sont pleines en ce moment, la DGL a été très claire et nous aussi avec les exploitants qui sont venus nous poser la question, ça n'est pas normal et nous ne prendrons pas en charge des vides partiels de fosses parce qu'elles sont pleines actuellement. Ça, ce n'est pas possible. Sur les aliments, on prend en charge la destruction de l'aliment qui était dans les trémies, puisqu'en fait, normalement, ça c'était prévu les années précédentes. Par contre, nous n'avons aucune réponse sur ce qui est dans les silos, qui n'est pas considéré comme contaminé, mais dont on est bien conscient que ça peut perdre les capacités techniques si c'est stocké pendant des durées indéterminées. Surtout l'aliment gavage, il a tendance à prendre en masse. Ça, on le sait. On a posé la question, actuellement, on n'a pas de réponse là-dessus. Donc ça, c'était pour la décontamination. On a posé aussi la question, hein, donc avec le collègue des Landes, puisque ce sont les mêmes problèmes, pour tout ce qui est paille, divers objets qui auraient pu être contaminés au sein de l'élevage parce qu'ils étaient stockés à certains endroits, etc. C'est pareil, là-dessus, nous n'avons pas encore de réponse. Voilà. Après, pour les questions qui ont été remontées, enfin les signalements concernant Athémax. En fait, le problème va être le suivant, c'est que j'entends bien qu'il peut y avoir peut-être des circulations qui ne sont pas faites dans le bon ordre entre dépeuplement, foyer, etc. Sauf que moi, pour pouvoir faire une remontée à Athémax, il me faut des précisions. Donc, quand ça arrive sur un véhicule et que c'est constaté, il me faut absolument avoir la plaque d'immatriculation du véhicule ou en tout cas le jour, ou en tout cas une information qui me permet d'être plus précise dans les formulations qu'on fait auprès d'Atemax. Puisque eux, s'ils doivent retomber sur le service logistique ou sur leur chauffeur, c'est pareil, ils ont besoin de savoir à quel moment ça s'est passé. Enfin, faut être précis. Moi, je veux bien aller leur faire la morale, entre guillemets, mais il faut que ce soit factuel, voilà. Et par contre, les remontées précises seraient bienvenues pour pouvoir arrêter ce type de mouvements qui sont tout à fait dangereux. Ça, on le comprend. Voilà. Après, sur les nettoyages des infections, de toute manière, vous avez des agents des DCSPP qui vont s'en occuper. Donc, il y a deux personnes actuellement qui vont faire notamment la tournée des MD1. Ces personnes-là, normalement, les coordonnées ont été communiquées lors des abattages ou en tout cas peuvent l'être par les agents qui sont chargés du chantier d'abattage. Et à défaut, on peut les donner en appelant à la cellule alerte, ils ont les coordonnées. Donc, ces gens-là, ils ont un protocole très carré. Et en fait, c'est important de les contacter, notamment quand ils ont commencé la MD1 ou qu'ils ont fini la MD1 par leurs propres soins, les exploitants, pour qu'on puisse programmer la visite et programmer le ND2. Donc, ça permet de mettre en musique la totalité et d'éviter de se retrouver avec des MD1 qui sont faits et un agent qui passe 15 jours plus tard, ce qui en fait n'est pas bien puisque on ne peut pas lancer les opérations de manière coordonnée. Voilà. Donc, Désolée, c'est un peu en gros. non, non, bah merci Hélène pour ces précisions très, très, très techniques et du coup qui peuvent bien répondre aux attentes des éleveurs. Donc, sur les dossiers d'indemnisation, hein, c'est sur les foyers, c'est bien nous qui les prenons en charge. Les éleveurs sont contactés individuellement pour l'ensemble des pièces à fournir. Et de la même façon, pour les nettoyages des infections, les éleveurs sont en cours de contact téléphonique pour bien caler avec eux les différents choix sur le ND1, les choix qui ont été évoqués, de le faire par l'éleveur lui-même, ce qui a des avantages, ou de le faire par une société, ce qui, dans certains cas, peut être plus approprié. Donc, il y a bien eu un aller vert. Sur et le nettoyage des infections et sur la partie indemnisation. Voilà pour la DDCSPP, la présentation qui a essayé d'intégrer au plus possible les questions qui avaient déjà été remontées par
les chats et par via la Chambre d'agriculture. Merci Stéphane Guillet. Je vous propose de répondre à une première salve de questions liées à ces trois premières interventions d'ordre technique. Alors, je vous les livre rapidement et vous les notez. Jean-Luc Guérin sera aussi mobilisé pour les réponses. Donc, le T0 quand? Quand est-ce qu'on aura ce T0 avec le feu vert pour sortir donc les effluents à la fois en foyer et puis sur le dépeuplement? Est-ce que c'est une affaire de jours, de semaines, de mois? Je vous livre la question telle qu'elle est formulée. Besoin d'une explication sur le cas de Haute-Garonne aussi, qui a surpris. Une autre question, c'est le coût des analyses 60 écouvillons pour abattre 100 canards à la ferme. Il n'y a pas, voilà, ça coûte très cher par rapport au nombre d'unités. Est-ce que là-dessus, vous avez des réponses? Le délai des retours d'analyse de dépeuplement qui sont très longues, beaucoup d'éleveurs dépeuplés s'interrogent, savoir si, quel est leur statut sanitaire. Est-ce que là-dessus, il y a moyen d'accélérer les choses? Par rapport à la présence d'influenza en faune sauvage, on constate que, par rapport à l'intervention de Monsieur Guérin, beaucoup d'animaux en faune sauvage dans le nord de l'Europe et finalement assez peu dans le sud-ouest. Et par contre, dans le sud-ouest, beaucoup d'élevage. Ça paraît un petit peu incohérent. Et puis, un certain nombre de questions reviennent pas mal sur la vaccination. Comment se fait-il qu'on soit capable d'avoir un vaccin qui est élaboré en un an sur le Covid? Et une recherche sur l'influenza qui date de beaucoup plus longtemps et que nous n'ayons pas plus de progrès que cela. Donc voilà, je m'en arrête là, mais voilà quelques questions auxquelles j'invite les trois premiers intervenants à répondre et puis nous poursuivrons ensuite pour les autres intervenants. Peut-être Monsieur Guillet, vous démarrez? Oui, je démarre. Alors, sur la sortie du fumier, ce qui est important, c'est d'éviter de sortir celui-ci dans les zones de circulation active du virus. Donc, les consignes qu'on donne aux éleveurs, c'est de sortir sur ces zones stabilisées ici, de pouvoir commencer à sortir le fumier, d'autant plus que c'est des zones qui ont fait l'objet du dépeuplement. Donc, l'ensemble de ces zones-là peuvent être... Le fumier peut commencer à être sorti pour être traité. Par contre, sur cette partie qui est très active, alors j'ai parlé de Ségos, mais il y a aussi des foyers dans les Landes et aussi des foyers sur les Pyrénées-Atlantiques dans cette zone-là. Là, ce qu'on demande, c'est d'attendre, parce que là, on est vraiment en présence de circulation de virus important. Sur la Haute-Garonne, donc, clairement, c'est un transport de consommation qui a amené le virus, alors pas par les œufs, mais par. Alors, il y a deux hypothèses. C'est les alvéoles de transport, c'est le camion lui-même, sachant que. Les normes biosécurité transport dans l'arrêté s'appliquent aux animaux vivants et pas aux œufs de consommation. Donc, même s'il y a une obligation générale de biosécurité, les normes ne sont pas peut-être au niveau de ce qu'elles devraient être. La contamination, du coup, s'est faite du fait de la proximité et de communauté de moyens entre le centre de conditionnement de Grenade et l'élevage de 80 000 poules pondeuses qui était attenant. Donc, le virus s'est effectivement éparpillé des Landes sur une tournée, sur un élevage qui après a été détecté foyer et qui, par ce biais de supports inertes et de communautés de moyens sur le centre d'emballage 2, a créé l'infection que vous évoquez.
Sur le coût des analyses avant mouvement, donc pour l'instant, toutes les réponses qu'on a, et j'en comprends la limite, c'est que c'est à la charge des professionnels. Donc, 60 écouvillons, bien évidemment, c'est une dépense énorme, d'autant plus si les lots sont faibles. Au titre de l'intervention sanitaire des services vétérinaires, nous, on n'a pas de moyen de subventionner ces analyses-là. Et du coup, c'est vraisemblablement un coût prohibitif, je le comprends, qui pose souci. Concernant le délai, retour des analyses de dépeuplement, alors nous, on capte d'impatience comme les éleveurs concernés. Dans les gestions du laboratoire, alors, les analyses de dépeuplement sont traitées maintenant au fur et à mesure. Donc, on espère que le délai sera réduit. C'est un volume extrêmement important. Alors, pas tant pour le GERS en nombre d'analyses, mais pour vous donner un ordre de grandeur, donc sur les landes, on a 300 élevages en dépeuplement, plus les autres départements. Donc effectivement, les laboratoires fonctionnent au maximum de leur capacité. Et compte tenu de maintenant l'avancée des opérations dans l'ensemble des départements, on espère bien, et nous les premiers, que ce délai soit le plus court possible pour pouvoir statuer définitivement sur le statut, foyer ou pas foyer, et bien localiser où le virus a pu avancer ou pas avancer dans le département. Les autres questions sont plutôt pour M. Guérin. Oui, j'en rajoute une pour Jean-Luc Guérin. Y a-t-il une solution par la sélection des races résistantes, exemple de la race basse Ria Xera, qui est soi-disant résistante, mais je te laisse répondre à cela, bien sûr, très précisément. Oui, donc moi j'ai noté les trois questions. Concernant la faune sauvage, effectivement, très classiquement, hein, on a beaucoup plus d'oiseaux trouvés morts au nord de l'Europe que dans le sud, que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait que les aires de rassemblement, elles sont plutôt là-haut, Pays-Bas, nord de l'Allemagne, ça on le sait. Donc, donc, comme il y a beaucoup plus de densité d'oiseaux, c'est là que les animaux se contaminent. Donc, souvent, ben, c'est là qu'ils vont mourir avant de reprendre la route. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des systèmes de surveillance qui sont sans doute plus actifs et qui sont donc plus capables de détecter les oiseaux trouvés morts. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que de toute façon, je ne pense pas que dans le sud-ouest, on soit dans un scénario où il y ait eu plein d'introductions différentes. Il y a des données préliminaires obtenues à l'ANSES, obtenues chez nous, qui suggèrent qu'on est quand même dans un schéma, je dis bien dans le sud-ouest, où il y a eu pas mal de diffusion, à la fois de proche en proche, de filières, à partir de quelques très rares introductions par la faune sauvage. Donc, ça peut aussi, ce sont des éléments qui peuvent expliquer cette situation. Effectivement, on trouve peu d'oiseaux morts dans le sud-ouest, ça c'est clair. Et c'était la même chose hein, quand même sur l'épisode précédent. Et souvent, quand on trouvait des oiseaux trouvés morts, c'était quelquefois des animaux qui s'étaient contaminés sur les parcours hein, d'animaux, de canards. Donc, c'était quasiment des victimes plus que des agents d'introduction. Concernant la vaccination, en fait, la question n'est pas tellement… le frein là-dedans, ce n'est pas la capacité d'innovation, de recherche des laboratoires. Il y a un vaccin expérimental qui a été testé, qui, sur le principe, a donné des résultats intéressants. Ensuite, la question, c'est clairement la stratégie qu'on a derrière. Il faut s'entendre sur une stratégie et quelle place on donne au vaccin là-dedans. Et comme je le disais, le premier verrou, c'est d'avoir un vaccin qui, sur le principe, est efficace. En 2017, on ne l'avait absolument pas. On a des éléments expérimentaux qui montrent que c'est possible. Après, il y a des questions, effectivement,
de coûts qui ont amené le laboratoire à revenir sur sa stratégie parce que le vaccin expérimental n'était pas tenable industriellement. Et il y a derrière une stratégie qu'il faut porter parce que, encore une fois, le vaccin influenza, ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas DERZI, ce n'est pas la pasteurelle. C'est un vaccin très compliqué à utiliser. Il y a un cadre réglementaire d'autorisation. Donc, il faut faire bouger des lignes au niveau européen aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Et il faut ensuite avoir tout un environnement qui permette de sécuriser son usage, de tracer, de tester. Donc, tracer, tester les animaux qui seraient vaccinés, c'est quelque chose qui est lourd. Et l'expérience de 2006, puisqu'il faut se souvenir qu'en 2006, il y a eu des expériences sur la côte landaise, montraient déjà à quel point c'était compliqué. Il y a des enjeux aussi de commercialisation des produits qui ne sont pas neutres. Donc, pour répondre, aller au bout de la question, il y a des réflexions qui sont en cours depuis plusieurs semaines, on échange. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de communication de notre part, de la part des scientifiques, que rien ne se fait. Il y a un suivi très près de ce sujet-là. Mais encore une fois, ce n'est pas un vaccin qui est facile à utiliser. Ce n'est pas la solution miracle. Enfin, s'agissant des races résistantes, je vois très bien à quoi il est fait allusion, et c'est un sujet que je suis très près par ailleurs. Mais en toute franchise, aujourd'hui, je ne crois pas, si vous voulez, qu'on soit qu'on ait d'abord suffisamment de recul sur ce cas particulier. Et deuxièmement, la question, ce n'est pas simplement de résister à la maladie. On sait très bien, quand on regarde l'ensemble des foyers, qu'il y a des situations dans lesquelles les animaux ont déclaré ou n'ont pas déclaré la clinique. Néanmoins, ces animaux sont infectés, ils sont infectieux, ils mettent du virus partout dans l'environnement, et ça, ce n'est pas neutre. Donc, quand on parle de résistant, c'est résistant à la maladie, mais pas à l'infection et à la propagation du virus. Encore une fois, laisser comme ça circuler des virus influenza, aviaires, imaginons qu'on les laisse comme ça circuler ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui, d'un point de vue sanitaire, du point de vue de la santé publique, n'est de toute façon pas acceptable. Donc, je ne pense pas que ça réglerait la question. Alors ensuite, pour aller au bout de la question, sur ces cas comme sur d'autres, les choses vont être regardées de près et sans aucun tabou pour regarder effectivement de manière factuelle est-ce qu'il y a effectivement une résistance intrinsèque à la clinique ou pas. Merci Jean-Luc Guérin. Deux autres points. Un premier, peut-être pour les couvillonnages, en 2017, le conseil départemental avait pris cela en charge. Je crois que c'est le cas actuellement dans les Landes. Et nous allons faire la demande du conseil départemental du Gers pour accompagner les éleveurs sur les petits lots d'animaux. Et une question à Monsieur Guiguet qui est arrivé sur la dérogation à la clostration des 3200 animaux. Où en est-on dans le Gers actuellement? Donc, dans le Gers, déjà toute cette zone de surveillance et cette zone de protection, les dérogations sont interdites. Et sur l'autre zone, plus aucune dérogation depuis le démarrage du début janvier, plus aucune dérogation à la clostration n'a été délivrée. Il en reste quelques-unes qui sont en fin de validité, mais sur le principe, nous avons déjà appliqué très immédiatement les restrictions aux dérogations courant décembre en limitant celles-ci uniquement aux élevages avec toute production confondue qui avait moins de 3200 animaux. Et depuis le 4 janvier, aucune dérogation n'a été délivrée. Et dans l'ensemble de la zone de surveillance et de protection, les dérogations qui auraient pu être délivrées étaient devenues caduques du fait des mesures zone de protection, zone de surveillance. Merci. Je vous propose de poursuivre et de passer la parole donc à Julien Barthès pour la DDT et réponses économiques. Merci. Donc sur le volet économique, à ce jour, peu d'infos. Le seul élément confirmé, c'est que le principe d'une indemnisation économique donc pour les vides sanitaires est acté.
Voilà, pas plus d'infos à ce stade sur le contour. A priori, on partirait sur une indemnisation en marge brute, mais ça peut couvrir beaucoup de choses, hein. La dernière fois, c'était également de la marge brute. On était sur des barèmes par animaux. Donc voilà, la forme reste à clarifier. En termes de calendrier, des discussions sont en cours avec l'Union européenne et l'objectif est d'aboutir à un texte dans 3 mois. Et des indemnisations, du coup, qui mettraient un certain temps derrière pour se lancer, bon, sachant que là, il s'agit de l'indemnisation finale. La question d'une avance éventuelle est encore posée et je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. Que dire d'autre là-dessus? Bon, c'est effectivement une priorité du ministère, je suppose que vous en doutez. Le ministre est venu aussi 2 fois dans le département, donc tant la DGPE que la DGAL, les deux grands services du ministère qui suivent ces dispositifs sont mobilisés là-dessus. Il y a un enjeu à faire remonter les situations particulières que vous pouvez identifier pour qu'on les signale et pour une bonne prise en compte. Bon, j'ai noté dans les questions qui étaient remontées en amont du webinaire la question des délais de remise en place, notamment pour les gaveurs qui ne vont pas forcément pouvoir remettre en place immédiatement après la levée des restrictions, puisqu'il faut que les prêts à gaver soient produits en amont. Donc, ça avait posé problème la dernière fois et voilà, la question a été relayée au ministère pour prise en compte. On a également identifié qu'il y a des sujets sur les œufs qui ne peuvent pas être transportés, qui se posent cette fois-ci. Donc, ça aussi, ce sont des alertes qu'on remonte. Voilà, donc à ce stade, on collecte les cas particuliers et on remonte ça au ministère pour une prise en compte dans les réflexions sur les dispositifs. Voilà à ce stade les infos qu'on a sur l'indemnisation. Merci Julien Barthès. Je vous propose de poursuivre parce que l'heure tourne et donc de glisser sur les interventions SIFOG et AVOL. Donc Marie Laborde. Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Je vais essayer de faire court, hein, parce que je vais surtout laisser la place à mon président Michel Fruchet pour parler un petit peu, pour prendre un petit peu de hauteur. Moi, je vais simplement intervenir sur l'opérationnel dans la gestion crise dépeuplement. Je voulais juste souligner que effectivement, donc au niveau de l'interprofession, on a malheureusement l'expérience de 2017 sur tout ce qui est organisation de comment de enfin mise en place opérationnelle sur le terrain des décisions de l'État. C'est malheureux, mais en même temps, ça nous a permis d'être relativement réactifs dans cette mise en place cette année. Quand le virus est arrivé dans le Gers, on avait déjà un mois de recul, hein, parce qu'il a démarré le 6 décembre dans les Landes. Donc, on va dire que les outils étaient déjà largement mobilisés et les personnes aussi étaient déjà largement mobilisées. Donc, le fonctionnement est assez simple au niveau de l'Interpro. Dès le démarrage, hein, dès les premiers foyers, l'Interpro se mobilise en cellule de crise. Avec les OP, donc les organisations de production qui sont concernées, le vétérinaire concerné, la chambre d'agriculture et toutes les personnes qui doivent être mobilisées, notamment les sites sensibles qui sont concernés par les zones, je pense aux abattoirs, je pense aux couvoirs, pour que on puisse rapidement se concerter et faire un état des lieux de la situation et notamment identifier dans les zones le plus vite possible les loups, les élevages présents ainsi que les animaux présents. Et ça, c'est vraiment un point essentiel sur lequel on a vraiment mis beaucoup d'efforts et tout le monde a mis beaucoup d'efforts sur les 3 dernières années pour renforcer les outils à la fois d'alerte, pouvoir alerter rapidement quand une zone est mise en place, afin que tout le monde, les transporteurs, les couvoirs, tous les opérateurs, les ramasseurs aussi, puissent être informés de la mise en place de ces zones. Donc apporter un appui essentiel à l'administration pour diffuser l'information donc via des outils d'alerte qu'on a mis en place grâce à l'outil CarteGIP qui est un outil partagé avec l'administration dans lequel en fait on peut avoir l'ensemble des élevages et aussi visualiser les zonages et c'est cet outil-là qui nous permet de générer des alertes et ensuite le fait de pouvoir connaître précisément un instant donné
tous les élevages, tous les lots qui sont présents. Donc ça, c'est un gros travail au quotidien qui est fait par tous les OP et une bonne partie des indépendants. Malheureusement, pas tous, et c'est là qu'on peut avoir le regret et qu'il va falloir progresser là-dessus, c'est de pouvoir identifier grâce à ces outils les indépendants, parce que ça permet, c'est vraiment ça qui permettra derrière, non pas d'arrêter le virus, mais en tout cas de pouvoir réagir très très vite. Donc, quand le virus est arrivé dans le Gers, on avait déjà des outils de dépeuplement qui étaient mis en place. Malheureusement, on était déjà rentré dans ce scénario de dépeuplement. Donc, au niveau du Gers, on n'a fait que poursuivre le travail. Donc, notamment avec la mise en place d'une plateforme de dépeuplement sur Pomarès, dans les Landes, qui a permis, en tout cas pour les Landes, d'abattre un certain nombre de foyers qui étaient à proximité, mais aussi d'abattre les animaux jeunes qui ne peuvent pas être abattus dans les abattoirs. L'avantage de la situation de Pomarès, c'est que c'était très proche des premiers foyers des Landes, donc ça permettait non pas de sortir des animaux potentiellement porteurs vers l'extérieur, mais de tout ramener vers l'intérieur. Donc ça, c'était quand même un plus par rapport à 2017, où on a été obligé de mobiliser des abattoirs qui finalement étaient plutôt en extérieur. Et puis l'abattoir de Canard-Dauzan qui est venu en soutien pour le Gers, dès le départ aussi, non pas pour du dépeuplement de foyers, mais bien pour du dépeuplement d'animaux sains, et ce qui a permis de réagir relativement vite. Et c'est vrai que, voilà, on a vu que le décompte a été présenté tout à l'heure, mais globalement, c'est ces outils qui nous permettent de savoir très rapidement ce qu'il y a à abattre dans les 5 km, de savoir quel âge ont les animaux, combien il y en a exactement, des informations qui sont essentielles à fournir à tous les opérateurs derrière qui mettent en place les procédures, que ce soit les transporteurs, les ramasseurs, les équarisseurs derrière. Ça permet de dimensionner les outils d'abattage. Donc, c'est absolument essentiel. Donc, je pense qu'on aura encore du travail à faire, et notamment avec l'administration, pour pouvoir déployer plus massivement ces outils, notamment auprès des indépendants. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ces outils-là qui nous permettent en plus maintenant de lancer les indemnisations très rapidement aussi. Voilà. Donc, c'était à peu près ce que j'avais à dire. Je voulais saluer vraiment la mobilisation de tous, les OP, les vétos, les transporteurs, les abattoirs, les ramasseurs, qui sont venus en appui dès le début aux DDPP concernés. Et avec la DGL et avec la DRAF. Et je voudrais saluer aussi la coopération de la très, très grande majorité des éleveurs dans cette lutte qui, finalement, est collective. Ce n'est pas simple de se faire enlever ces animaux, d'autant qu'on faisait des plannings d'enlèvement la veille pour le lendemain. Donc, c'est quand même une énorme organisation derrière. Et je tiens vraiment à saluer tous ces efforts et toute cette coopération qui est faite sur le terrain, pour essayer au maximum d'aller vite. Voilà. Au-delà des dépeuplements, il faut savoir aussi que les organisations de production, dès le début, se sont mobilisées pour faire en sorte qu'on puisse agir pour vider les zones, autrement aussi que par l'abattage, parce qu'il y a aussi une autre voie de dépeuplement, c'est la valorisation des animaux, et c'est bien ça qu'on essayait quand même de faire au maximum. Donc, elles se sont réunies très, très rapidement pour faire des mises en place partagées de gavage. Donc, les prêts à gaver ont été prêtés aux opérateurs. Les transporteurs ont été mutualisés également, les ramasseurs, etc., pour faire des mises en place partagées et faire une espèce de zoning, en fait, hein, au niveau des zones, pour limiter au maximum les déplacements et permettre de vider la zone aussi par la valorisation. Ça a été mis en place rapidement. C'est toujours en cours d'ailleurs, hein, parce que dans les ZS, pour pouvoir éliminer les animaux, il faut pouvoir les gaver pour ce qui nous concerne. Donc, il faut trouver des salles de gavage. Et ça, il y a une vraie mutualisation qui est faite sur le terrain. Et ça a été plutôt spontané même. Voilà pour ce que j'ai à dire pour le canard. Et Isabelle va peut-être compléter sur la partie volaille. Vas-y, Isabelle. Bon, merci. Bonjour à tous. Alors, pour compléter en fait ce qu'a dit Marie, moi je vais juste vous dire quelques mots en fait sur la gestion qui est légèrement différente pour le dépeuplement au niveau des Galus. Donc nous, au niveau des Galus, on a commencé, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure la DDPP, le dépeuplement.
Donc, si tout va bien, en fin de semaine prochaine, on devrait avoir terminé le dépeuplement pour le GERP. Donc, le dépeuplement pour les Galus, je vous rappelle, c'est à 1 km autour des foyers. Donc, nous, on a deux systèmes pour, on va dire, remonter les informations. Hein. Donc, comme Marie l'a dit, on peut collecter les données donc, des éleveurs qui sont présents dans la zone pour ceux qui se déclarent à la BDA avicole. Donc, là, on aura ces informations-là. Pour les indépendants, on essaie d'avoir les informations donc, par les chambres d'agriculture. Et ensuite, on interroge également les différents groupements qui ont des systèmes de déclaration différents pour avoir un recensement le plus exhaustif possible. Ensuite, en ce qui concerne le dépeuplement, nous, on avait dans les Landes donc, l'abattoir de Pontonx, la Sauvol, qui avait été réquisitionné pour faire l'abattage des foyers du dépeuplement. Hein. Donc, il y a eu des lots du Gers qui sont partis sur Sauvol pour les animaux qui ont plus de 1 kg, puisqu'ils peuvent aller sur les chaînes d'abattage. Et ensuite, on a les animaux de plus petite taille qui sont dépeuplés sur la plateforme de Pomarès. Donc, voilà ce que je peux dire, on va dire, dans les grosses lignes en ce qui concerne le dépeuplement. Et j'en profite également pour remercier l'ensemble de la profession qui sont très actifs sur le sujet. Merci. Michel Fouché, président du CIFOG. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ils ont dit beaucoup de choses, ces dames. Et Marie surtout, qui est bien bavarde. Donc, elle a bien expliqué. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle vient de dire, loin d'être. Mais quand même, je voudrais moi aussi y mettre ma touche par rapport au remerciement, puis à féliciter quand même tous les acteurs qu'elle a cités, Marie, tout à l'heure. Et on voit que notre BD avicole, hein, qui a été mise en place, bon, il faut constater, il faut toujours, je dirais, pour progresser, regarder les quelques petits points d'amélioration à avoir. Il reste encore quelques trous dans la raquette. Et là, je suis sûr que tous ensemble, on doit les combler. Donc, quand je dis tous, c'est aussi bien l'Interpro, la Chambre, bien évidemment, les associations de producteurs fermiers, les OP, et les quelques-uns qu'on n'a pas dans les fichiers, il nous les faut demain, parce que c'est vraiment trop important. Ce que je tiens aussi par rapport au GERS, c'est féliciter, je dirais, l'ensemble des producteurs et de tous les modèles, de différents modèles. Puisque ce soit en filière courte comme en filière longue, moi j'ai eu l'occasion il y a 3 ans, quand j'ai pris la présidence du CIFOG, de m'immerger un peu dans votre beau département avec l'association des producteurs fermiers. Et j'ai vu des choses extraordinaires faites justement par la filière courte au niveau de tout ce qui était biosécurité. Donc c'est bien l'ensemble des filières et l'ensemble des modèles qui ont avancé. Et je pense que ce n'est pas anodin et ce n'est pas par hasard que vous avez réussi aujourd'hui à date à bloquer un petit peu, à contenir ce virus dans ce périmètre des 5-20 km tel qu'il a été dessiné puis présenté tout à l'heure. Bon, maintenant, c'est vrai, il faut déjà commencer à penser à demain. Bon, pas de précipitation, hein, le feu n'est encore pas éteint. Donc, comme l'a expliqué Jean-Luc, on a encore des cas, on l'a vu hier soir, qu'il y a des GL, il y a encore de la faune sauvage qui se promène, donc rien n'est assuré, rien n'est garanti. Et puis, quelque part, dans le monde du vivant, on est toujours apprenti. Aujourd'hui, la première chose à faire, je pense qu'il faut remettre dans le contexte, et puis l'ANSES nous l'a dit, c'est venu comment ? C'est venu comment ? On l'a expliqué tout à l'heure, contamination par la faune sauvage, puis malheureusement, donc, transfert au niveau des animaux captifs que sont les palmipèdes, qui étaient donc dehors, et avec une densité très forte. Donc, il va falloir retenir, je dirais, ces 3 points pour les analyser ensemble. Il est important qu'on, je dirais, c'est le moment aujourd'hui de la concertation. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et on a d'ailleurs, dès cette fin de semaine prochaine, on a un bureau et un conseil au niveau du CIFOG. Et on a l'avantage, c'est vrai, au niveau d'interprofession, tous les modèles sont présentés. Je dirais, les syndicats sont également présents. Je dirais, tout le monde a la parole. Et c'est le lieu idéal pour quand même pouvoir travailler tous ensemble. Oui, il y a toujours, hein, dans des situations comme celle-ci, des tons qui vont s'élever, mais il va falloir en retirer donc les principaux éléments pour travailler encore. Parce que je voulais répondre par rapport à une question aussi, quand j'ai vu une question sur « mais demain, on s'en va tout droit vers la partie… » confinement des animaux tout l'hiver, l'IGP, stop là-dessus. Il faut rappeler l'ADN de notre profession.
notre ADN, c'est bien évidemment le plein air. Et le plein air, c'est ce qui nous guide et puis ce qui doit nous guider aussi demain par rapport à tous nos modèles de production pour répondre aux attentes sociétales. On n'a jamais parlé, et ça c'est un mot que je veux bannir, confinement, claustration, non. On parle que d'une seule chose, protection de nos animaux. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est d'être en capacité à tout moment de l'année, je dis bien à tout moment de l'année, de protéger nos animaux. C'est la seule chose, c'est pas compliqué, c'est simplement ce qu'il faut qu'on arrive à réussir et à faire sur l'ensemble du territoire. Vous le savez, je suis pas de votre région, je suis un petit peu plus haut, mais je suis aussi sur la côte atlantique. Donc, on a aussi les mêmes oiseaux migrateurs qui passent par chez nous. Ça doit être les mêmes quand même, quand ils arrivent, avant d'arriver dans vos départements. Donc, il faut arriver justement à faire en sorte que ces cas, je dirais ces premiers cas qu'on n'évitera pas, comme dit Jean-Luc, une année, il y en aura plus. Une année, on est passé 2 ans sans en avoir aucun. Mais il faut absolument qu'on arrive à contenir le jour où justement on a une descente, et on le sait depuis le mois d'août cette année, qu'on a une descente de l'avifaune sauvage qui est infectée, il faut qu'on soit capable de protéger nos animaux. C'est quand même l'essentiel. Et pour répondre aussi à une question sur mais le pacte, on a signé un pacte au niveau de l'interprofession avec l'État en 2017. Et bien ce pacte, oui, on l'a respecté, on l'a mis en place. Je vous rappelle brièvement, hein, c'est toute l'amélioration des réactions collectives. Hein. Donc, c'est bien évidemment la veille avicole avec Cartogip. On en a parlé deux mots. Donc, c'est toute la sécurisation du maillon de production. Oui, il y a encore à faire. Mais on a aussi un outil qu'on a mis en place qui s'appelle Palmiger Confiance, qui va falloir être, je dirais, peut-être encore plus pointu. Mais je pense que déjà, dans sa conception, si 100% de nos producteurs, tous les producteurs, je dirais, sont dans ce cadre-là, on va quand même avoir quelques belles protections. Tout ce qui est la sécurisation du maillon de transport, je pense que là, je ne féliciterai jamais assez tout ce qui a été fait au niveau du transport, que ce soit les audits qui ont été faits, je dirais, en interne, par des organismes extérieurs, des flottes dédiées, des sécurisations avec un seul lot de pagues. On a fait un boulot énorme et on le voit bien dans les premières études d'épidémiologie depuis le 6 décembre. En aucun cas, au plus ou moins à ma connaissance, on a apporté comme quoi c'était un camion qui avait pu apporter tel ou tel virus d'un point A vers un point B. Donc, bravo. Et après, il y a la biosécurité avec les intervenants. Ça, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. Ça fait beaucoup de personnes. Moi, je dis non, ça fait pas beaucoup de personnes. Il y a une seule personne responsable. C'est l'exploitant. L'exploitant, c'est le patron dans son entreprise. C'est le patron dans son élevage. Il n'a pas le droit de laisser entrer des gens sans les équiper de protection individuelle. Il n'a pas le droit de laisser faire venir qui que ce soit pour que ce soit vacciné, pour que ce soit enlevé des animaux sans avoir, je dirais, des précautions. Et là, c'est à l'éleveur de faire le travail. Et l'éleveur aujourd'hui, ils sont tous, je dirais, formés. Est-ce qu'il faut remettre une couche de formation? Je pense que c'est important. On le voit dans nos usines agroalimentaires, je dirais, c'est régulier qu'on refait nos sessions de formation au niveau de la sécurité sanitaire. Donc, pourquoi pas? C'est pas non plus à mettre de côté. Et puis, il y a aussi tout le travail qu'on devait faire au niveau européen. Ben oui, on l'a fait aussi. On l'a fait aussi avec la gestion des FP, des faibles en pathogènes, en disant, ben, c'est tout notre système de GNM. J'apprends rien à tous les éleveurs qui nous écoutent. Avec, à chaque fois qu'on déplace des animaux, on les teste, on sait un petit peu donc leur statut et on voit qu'on avance aussi de ce côté-là. Et pour en terminer, je dirais la filière, c'est une chaîne de valeur, c'est un ensemble de maillons et il ne faut pas oublier les maillons en amont de l'amont, de ce qu'on discute ce matin, et aussi en aval. C'est-à-dire que j'oublie pas toute la partie des couvoirs, la partie des sélectionneurs, des reproducteurs, des gens qui font toute la reproduction, les futurs repros. Et puis bien évidemment, j'ai une pensée particulière aussi pour toute la partie de la partie aval qui seront à la même enseigne que malheureusement nos producteurs, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'arrêt eux aussi, que ce soit les abattoirs, que ce soit les usines de transformation, pendant 3, voire peut-être un peu plus, 3 ou 4 mois. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie d'interprofession. C'est vraiment, on arrive à l'heure où il faut de la concertation, de la discussion, et oui, il va falloir qu'on parle
de choses qu'on n'avait certainement pas parlé non plus, ou tout du moins, il y avait tellement de choses à faire en 2017, mais je pense à la densité au kilomètre carré. Il y a des points certainement qu'il faut qu'on remette sur la table, qu'on revoie, mais j'ai bon espoir, mais il y a une seule chose qui me tient à cœur, de grâce. Dans ce combat, dans cette lutte, soyons unis, j'allais dire, nous avons différents modèles, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, mais ne perdons pas d'énergie à vouloir casser du sucre sur le dos des uns et des autres, des petits contre les plus importants. Non. Soyons, je dirais, collectifs. Il y a un adage que je tiens beaucoup. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, certes, mais ensemble, on va plus loin. Merci de votre attention. Merci, Michel, pour ces mots et cette vision pour l'avenir. Dans ces remerciements, moi, je vais avoir un remerciement appuyé pour l'abattoir d'Auzan qui a été candidat au dépeuplement très, très tôt pour faire en sorte que nous puissions être très rapides, puisqu'on a fait, je crois que la DDCSPP a une gestion au foyer quasiment à 48 heures de l'analyse LNR, donc ça a été extrêmement rapide. Et dans le dépeuplement, on était à 96 heures, 4-5 jours grand maximum. Donc c'est ça aussi qui a fait la réussite de la stabilisation de cette zone Armagnac-Adour. Moi j'ai une question, Michel, peut-être beaucoup de questions économiques. Hein, je pense qu'il faut l'entendre. Les fameux forfaits de remboursement, attestation, comment tout ça va fonctionner. Est-ce que les éleveurs peuvent compter sur un fonctionnement à l'identique de 2017 dans les mêmes modalités en ce qui concerne bien sûr la gestion financière du cheptel, sur les pertes indirectes aussi, on a parlé des aliments, on a parlé de tout un tas de choses, et puis sur la fameuse non-production. Voilà, est-ce que là-dessus, le TIFOC, qui est le négociateur vis-à-vis du ministère, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de l'état actuel des discussions, peut-être à date? Eh bien, à date, si on avait fait le webinaire hier matin, je n'aurais pas dit la même chose que ce matin. Parce que pour moi, c'était assez clair comme quoi ce qu'on a demandé au ministère et au ministre en direct quand il est venu dans les Landes ou chez vous, c'était de reconduire, je dirais, les modalités qu'on avait fait sur 2017 avec bien évidemment la remise à jour donc des forfaits. Et hier soir, à ma grande surprise, la DGPE nous annonçait que, d'ailleurs, M. Barthès en a fait, je dirais, écho tout à l'heure, comme quoi il pourrait tout d'un coup y avoir des calculs avec de la marge brute globale sur l'exploitation. Je ne vous cache pas que j'étais un peu surpris. Je pense que, de toute façon, dans un premier temps, les acomptes sont bien donnés par rapport au niveau des évaluations, donc au niveau des animaux par rapport aux âges. Donc, ce qui avait été fait à l'époque, donc avec en temps masqué la réévaluation de toute cette partie-là. L'aliment a été effectivement un long débat. Je vous rappelle qu'en 2017, ça avait été catastrophique comme gestion au niveau de l'aliment. Et on demande aux adhérents, aux éleveurs, de nettoyer les vis d'aliments, de les désinfecter. Et puis en même temps, on voudrait en même temps faire enlever l'aliment qui est dans le silo par le transporteur d'aliments, c'est du ridicule, pas possible. Et on prendrait des risques, à mon goût, qui seraient énormes. Donc, il ne faut surtout pas aller vers là. J'espère qu'on arrivera donc à faire en sorte que cette partie aliments soit aussi prise en compte. Et puis après, c'est vrai que sur toute la partie des entreprises, nous, on redemande exactement la même chose que ce qui avait été fait sur la base du calcul de perte de BE qui avait été fait en 2017. On a quand même un avantage cette année, sans qu'on ne repart pas sur une feuille blanche. On repart sur des procédures qui avaient été mises en place, qui ont été travaillées, qui ont été validées par l'administration française, par l'Europe. Donc, ne refaisons pas, ne réinventons pas l'eau chaude, quoi. Quand j'entends parler d'indemniser les éleveurs par rapport à de la marge brute, enfin, on a calqué quelque chose qui a bien fonctionné. Revoyons les barèmes, certes, mais allons pour aller plus vite, j'allais dire, ne rechangeons pas les systèmes. Mais c'est vrai que, honnêtement, je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas vous dire ça va être comme ci ou comme ça, parce qu'on est vraiment encore dans l'attente du retour du ministre. Alors, le ministre, il s'est engagé à dire d'aller vite,
Et sur ces questions-là, ben, je dirais, nous, on trouve qu'il ne va pas trop vite parce que je préférerais qu'ils nous disent, oui, on va prendre le modèle 2017, on va remettre à jour et on va y aller. C'est la réponse qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne l'a pas, cette réponse. Oui, merci de cet éclaircissement. Je vous propose de poursuivre, midi 6, donc de passer la parole pour la directe, donc l'emploi, à Anouk Saint-Géry, qui est parmi nous. Oui, donc, alors je partage mon écran si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Okay. Très bien. Alors, donc moi je vais vous dire deux mots du dispositif d'activité partielle qu'un certain nombre de personnes présentes lors de ce webinaire connaissent peut-être, qui concerne donc les entreprises qui ont des salariés et qui permet d'amortir les effets de la crise sur le moyen terme, en lien avec la baisse d'activité qui va résulter de la situation actuelle. Donc, vous avez à l'écran les coordonnées auxquelles le service activité partielle est joignable. Alors, quelques mots sur ce dispositif. Donc, c'est un outil qui permet à l'employeur qui fait face à des difficultés ponctuelles de faire prendre en charge par l'État le coût de l'indemnité versée aux salariés. Je vous rappelle que pendant les périodes d'activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu mais n'est pas rompu. Les démarches pour déposer un dossier se font en ligne sur un portail dédié. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour présenter une demande et l'autorisation est délivrée par nos services à l'expiration d'un délai de 15 jours. Alors, le dispositif d'activité partielle tel qu'il existait en 2017 a été modifié hein, dans le cadre de la crise Covid cette fois. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent là pour la profession. Donc, pour les heures chômées jusqu'au 28 février 2021, ce sont à ce stade des annonces. On attend la confirmation par les textes, annonces de la ministre. Donc, l'indemnité qui est versée aux salariés par l'employeur est égal à 70% de la rémunération horaire brute, avec un plancher à 8,11 €. Ça, c'est ce qui doit être versé par l'employeur à son salarié à la date normale de paye. L'allocation qui est versée par l'État à l'employeur, elle, est égale à 60% de la rémunération antérieure brute, avec ce même plancher à 8,11 €. Ça veut dire que pour les salaires bas, au niveau du SMIC, l'employeur touchera ce qu'il verse aux salariés. À ce stade, on a déjà 24 dossiers qui ont été déposés et sur ces 24, il y en a 20 qui concernent les élevages. À partir du 1er mars, donc les indemnités d'activité partielle et les allocations vont changer. L'indemnité versée aux salariés donc, sera égale à 60% de la rémunération horaire brute avec toujours ce même plancher à 8,11 €. Et l'allocation versée par l'État à l'employeur passera à 36% de la rémunération antérieure brute, avec un plancher abaissé à 7,30 €. C'est important d'avoir en tête ces modifications de prise en charge des taux, même si les planchers sont là pour amortir les effets de cette baisse de prise en charge. Les demandes pourront être à partir du 1er mars présentées pour une durée de 3 mois, renouvelables une fois. L'expérience des crises 2016-2017 montre que ça devrait permettre de couvrir la période d'inactivité ou de sous-activité. Quelques mots sur le dispositif d'activité partielle de longue durée. Donc, c'est un dispositif spécifique qui a été mis en place dans le cadre de la crise Covid. Qui permet à une entreprise qui est confrontée à une réduction durable de diminuer l'horaire de travail des salariés et de recevoir des allocations en contrepartie d'obligations, enfin d'engagements, notamment en matière de maintien de l'emploi. Alors, c'est un dispositif qui est plus difficile à manier et qui ne sera certainement pas adapté à tous, mais qui peut l'être pour certains. Donc spécifique parce qu'il nécessite un accord collectif.
Donc, soit un accord de branche qui peut être décliné, soit un accord de groupe, soit un accord d'entreprise. Comme son nom l'indique, il est mobilisable sur une longue durée. Le bénéfice de l'allocation est accordé, peut être accordé sur 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 3 ans. La durée chômée maximum est limitée. La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. On peut aller jusqu'à 50% sur dérogation de nos services. Donc, c'est une limite au dispositif, mais cette réduction s'apprécie par salarié et sur la totalité de l'application de l'accord ou du document unilatéral qui peut être prise en déclinaison d'un accord de branche qui existe. À ce stade, il n'y a pas d'accord de branche dans vos secteurs d'activité. Cette modulation possible peut permettre d'avoir des périodes d'activité à zéro et puis de remonter progressivement l'activité pour qu'à la fin de la période, en moyenne, le plafond de 40% soit respecté. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dispositif donc, d'activité partielle de longue durée nécessite de la part de l'entreprise des engagements en termes de maintien de l'emploi et de formation des salariés concernés. Ça doit être prévu par l'accord. En termes d'allocation versée par l'État à l'employeur, celle-ci est égale à 60% de la rémunération horaire brute avec le plancher à 7,30 euros. On retrouve le dispositif d'activité partielle classique actuel qui va évoluer par la suite. Et l'indemnité versée aux salariés par l'employeur donc, est égale à 70% de la rémunération horaire brute avec un plancher à 8,11 euros. Pourquoi il nous a semblé important d'évoquer le dispositif d'APLD aujourd'hui ? Tout simplement parce que le dispositif d'activité partielle classique, les taux de prise en charge vont évoluer dans le temps, alors qu'avec le dispositif d'activité partielle de longue durée, les taux sont garantis pour les 3 ans qui viennent. Donc, là, il n'y aura pas d'évolution en dehors des éléments que je viens de vous présenter. Voilà, je vous remets à l'écran les coordonnées et on pourra diffuser ces éléments-là à l'issue du webinaire. Voilà. Merci de votre intervention. Je passe la parole à la MSA. Donc, nous avons quelques questionnements sur la MSA, cotisation, possibilité d'aménagement, etc. Je sais que la MSA a également mis en place une cellule d'écoute. Donc, pour la MSA, c'est Madame de Saint-Germain. Justine de Saint-Germain. Merci beaucoup. Merci déjà pour ce webinaire et de nous y associer. Donc, vous dire que la MSA se mobilise hein, au même titre que vous tous qui vous êtes exprimés. L'idée de notre accompagnement, c'est, donc je vais vous donner les numéros après à contacter, c'est de permettre un soutien par l'intermédiaire de notre service médical, de notre cellule de prévention du mal-être, considérant que les événements que certains d'entre vous vivent peuvent avoir évidemment des conséquences médicales et psychologiques, hein, certaines. L'idée, c'est aussi de vous accompagner pour faire face aux obligations en matière de versement des cotisations. Donc, j'y reviendrai, mais effectivement, ça se passe autour de la possibilité de suspendre le paiement de vos cotisations, de mettre en place des échéanciers et évidemment, dans un second temps, de demander des prises en charge de cotisations. Et puis enfin, un troisième axe de notre accompagnement, c'est de s'assurer que votre famille et vous-même bénéficiez de l'ensemble des droits légaux auxquels vous pouvez prétendre en permettant un accompagnement par nos services. Donc, il y a plusieurs numéros à joindre que je vous donne et qui sont disponibles évidemment sur notre site internet, qui sont des lignes directes. Donc, vous tomberez directement avec un conseiller en prévention ou un médecin du travail ou une psychologue. Donc, le 06 84 78 98 42 ou le 06 32 64 13 08. Et puis, il y a un service national hein, qui est un service d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'appelle AgriEcoute, que vous connaissez probablement, qui est joignable au 09 69 39 29 19. Toutes ces informations, elles ont été mises sur notre site internet, adressées à l'ensemble des maires des communes touchées par des cas de contamination. Nous avons effectivement adressé un message au préfet et au préfet de département pour présenter notre mise à disposition et ses numéros à joindre.
ainsi qu'au DDT et au service vétérinaire. Nous procédons, dès que nous avons l'information, à des appels sortants pour contacter éleveurs touchés et vous proposer donc l'accompagnement de la MSA. On est en train de procéder à un courrier qui va redire la même chose et qui sera adressé à l'ensemble des éleveurs aussi touchés sur le département. Et puis plus spécifiquement en réponse à la question posée, donc vous dire qu'au-delà de la possibilité que vous avez de demander une suspension du paiement de vos cotisations et de la mise en œuvre d'un échéancier, notre présidente a déjà adressé un message à notre échelon central pour que ce dernier demande au pouvoir public de débloquer des enveloppes de prise en charge de cotisations dédiées à la grippe aviaire, à la crise de l'influenza, sur votre département. Donc voilà, les pouvoirs publics sont informés de la situation. Nous leur donnons des informations assez détaillées sur l'impact que cela peut avoir et sur le nombre d'adhérents MSA touchés. Donc voilà, tout ça est suivi de très près. Et encore une fois, tous ces numéros sont disponibles sur notre site internet. Il ne faut pas hésiter à contacter la MSA. On a mis en place un circuit dédié influence aviaire. Donc voilà, votre dossier sera pris en charge très rapidement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci de toutes ces précisions. J'avais un message également de la Direction générale des finances publiques qui aurait pu intervenir aussi pour dire qu'ils sont prêts à aménager toute demande de situation particulière. Il nous reste on va se prendre encore 5-10 minutes maxi. J'ai une question profitez-en pour mettre vos dernières questions sur le chat. Une question pour Michel Fruchet, pour le CIFOG. Où en est-on de la caisse de cotisation sanitaire qui avait été mise en place à la sortie de la crise de 2017? Alors, pour rappel, hein, cette caisse, donc, elle est, je dirais, elle est volontaire, hein, donc tout le monde n'y cotise pas non plus. Cette caisse, oui, elle a environ, je dirais, elle se constitue. Ça a toujours été, je dirais, ce qu'on a toujours dit, hein, c'était pour un complément. Hein, pour l'instant, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, hein, plus que c'est quelques centaines de milliers d'euros qu'on a aujourd'hui d'avance. Donc, tout ce qui était cotisé aujourd'hui, c'est dans la caisse. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette caisse-là, elle est donc, et elle sera utilisée bien évidemment par rapport à des besoins bien précis, puisque on ne se substituera surtout pas à l'administration, on n'en a surtout pas les moyens. Donc, dans un premier temps, il y a tout ce qui fait partie du 206 qui va être mis en place. Ensuite, il y aura tout ce qui pourra être attribué ou pas via la DGPE. Il y a toute la participation ou pas au niveau de la partie Europe. Ensuite, il y a la partie donc qui peut rentrer dans le cadre du FMSE. Et après, on arrive justement à ce que peut faire justement tout ce qui aurait marginalement été pas éligible par tous ces modèles de prise en compte. Eh ben, ça sera étudié donc au niveau de la commission pour savoir à quel niveau on pourra bien évidemment intervenir. On faisait un rapide calcul de trois jours. Si on divisait la caisse par le nombre de foyers aujourd'hui ou le nombre de gens qui sont concernés, on parle d'une poignée de centaines d'euros, quoi. Donc, ça serait d'un ridicule pas possible de vouloir gaspiller ces fonds aujourd'hui qui existent par rapport à l'ampleur qu'on a en face de nous. Merci Michel pour ces réponses claires. J'ai une question d'un éleveur qui appelait la cellule agri-écoute qui n'a pas de retour depuis une semaine. Bon, voilà. Il est évident que tout le monde met en place des systèmes et qu'il y a besoin d'un certain délai pour y répondre. Voilà, je ne sais pas si Justine Germain veut rajouter quelque chose là-dessus. Ben, peut-être que j'inviterai cet éleveur, à contacter la MSA Midi-Pyrénées-Sud, sa MSA directement. Peut-être qu'on sera plus réactif, puisqu'on gère votre dossier et que, comme je vous le disais, le circuit a été mis en place et dédié vraiment à ça. Donc, on est tous les services de la MSA sont mobilisés sur ce sujet. Donc, normalement, on devrait vous apporter une réponse rapidement. Sur les banques,
Merci. En utilisant les numéros dédiés que je vous ai donnés. Bien, moi je. On me signale qu'il n'y a pas de questions qui remontent. C'est bon. Donc je vous propose de clôturer. Hein, il est midi 20. On a largement dépassé le temps imparti, une heure et demie. Je m'excuse par avance vraiment pour le fait qu'on ne puisse pas faire un dialogue vraiment qu'on aurait pu le faire en physique, dans une salle, comme nous avions pu le faire en 2017, de manière sûrement beaucoup plus active et proactive surtout. Dans tous les cas, on tenait à faire cette opération pour que vous ayez en temps réel vraiment les informations les plus précises possibles à date. Et je veux remercier tous leurs intervenants pour la clarté de leurs réponses et puis un certain nombre de questions sur lesquelles les choses sont en cours de calage et nous vous reviendrons vers vous par tous les moyens professionnels existants, ceux de la Chambre et Culture, au travers des SMS, newsletters ou le journal Volonté Paysanne, mais je sais que tous les acteurs professionnels ont aussi des moyens de communication et ils le font, et y compris l'administration, au travers de communiquer lorsque c'est nécessaire. Donc on est vraiment nous sommes très attachés au suivi au jour le jour de cette crise. La stratégie GERS, qui était de créer cette ligne Maginot pour protéger l'Est, a fonctionné. Je veux encore une fois remercier tous les acteurs qui ont permis cela. Je pense que nous tenons le bon bout. Nous surveillons bien sûr cette situation depuis Darieux qui nous inquiète à proximité de l'Astarac, même dans l'Astarac, pour le coup, nous surveillons cela. Nous reviendrons vers vous rapidement, sous cette forme-là, je pense, avec un nouveau webinaire d'ici deux, trois semaines, au regard un peu de l'actualité et des éléments nouveaux que nous aurons à vous communiquer. Merci à tous et n'hésitez pas de revenir sur l'ensemble de vos correspondants de tous les réseaux. Nous tenons aussi pendant cette crise à ce que le suivi humain soit extrêmement présent. Nous sommes très attachés à ce que tous les éleveurs trouvent une réponse à leur questionnement le plus rapidement possible et que l'accompagnement humain soit extrêmement performé pendant cette crise 2021. Merci à tous les intervenants et je vous souhaite une excellente journée.